Regardez-moi ça. Moi, je ne crois plus, depuis l'affaire Balkany, je ne crois plus en la justice. On est à l'abri de rien. Non, mais c'est pareil, vraiment, rouge et vert, on n'en peut plus, les terroristes rouge et vert. Hein? Et voilà, eux, ils sont à l'école, enfin, plus pour longtemps. Lundi, c'est vacances. Alors, vous connaissez, vous faites art plastique, évidemment. Vous savez tous que vert et rouge, qu'est-ce que ça donne comme marron, comme couleur, ça donne marron, vous l'avez dit. Marron, ça nous fait penser à de la boue, mais ça nous fait penser à autre chose. Hein, voilà. Et cette autre chose, eh ben, ça sent pas la rose. Ça sent pas la rose socialiste, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, bon, j'ai entendu que se tenait ce meeting de Bitnik. Évidemment, je suis venu vous sauver, notamment la jeunesse macroniste ici présente, même si elle ne le sait pas encore qu'elle l'est. Eh bien, je suis venu vous sauver, et j'ai sauté dans mon jet privé, et je viens chaque cours de Dubaï, où j'habite. Je suis venu de Dubaï exprès pour vous délivrer, pour vous remettre dans le droit chemin. Alors, je vous avoue que mon pilote a eu un peu de mal pour faire un petit créneau avec le jet Place des Arts. Donc on va sûrement bétoniser encore plus et enlever certains arbres qui nous gênaient. Mais voilà, on est venu pour vous, on vous délivre, parce que l'heure est grave quand même. L'heure est grave. Je vérifie ce que j'avais marqué avant. Et je veux faire le signe de croissance avec vous, parce que on va stopper ce meeting, on va l'arrêter, on va faire le signe de croissance tous ensemble. Vous faites ça. In nomine Alpesus, del Frecus, et del Santissimus Creditus, amen. Ton père. Ça, c'est le doigt du capital. Allez-y, vous pouvez le faire, le doigt du capital. Vive la compétition. Voilà, tu peux le faire. Les enfants, allez-y. De toute façon, l'école, c'est fini. Et donc, voilà. Il faut stopper. On va tout arrêter. Vous allez rentrer chez vous. La police est là, vous encercle l'auditorium. Nous avons déjà procédé à une quinzaine d'arrestations parmi les gens qui ont l'audace de partir. Enfin, en même temps, ils avaient tellement raison, ils devaient se faire chier, les pauvres. Et donc, la simple police est là, mais également les renseignements généraux, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous espionner. Les renseignements généraux que je salue au passage, Jason. Damien, je ne sais pas où il est, Damien. Désolé. Alors apparemment, non, je les ai peut-être liés. Désolé. Il était important de... Voilà, je tenais à vous dire, parce que j'ai entendu des synepties. J'ai entendu un discours incompréhensible, des mots que je ne connaissais pas, solidarité, des choses comme ça. Et puis une odeur pestilentielle. Comme dirait Jacques Chirac, on a eu le bruit et l'odeur. Voilà. Jacques, si tu nous entends d'ailleurs. Alors, évidemment, on va cesser. Je vais vous demander d'évacuer la salle. Allez-y. Non ? Bon, alors on va parler de notre programme. On vous a espionné, et qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu Ozon. Ozon 2020. Et puis quoi encore? Depuis quand la populace ose? Depuis quand vous décidez de quoi que ce soit? Depuis quand vous osez prendre des risques, prendre des initiatives comme ça, sans nous en parler à nous les puissants? Ce sont nous les décideurs. Ce sont nous les puissants, nous les entrepreneurs qui décidons pour vous permettre, notamment, de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à 77 ans. Merci. Ah, madame applaudit. Retournons à l'esclavage moderne, c'est normal. Voilà, et il ne faut pas avoir peur de ces mesures importantes. J'ai envie de vous dire un peu de culture politique. J'ai entendu des aberrations totales, notamment sur la démocratie. À chaque fois, j'ai un fou rire quand tu le dis.
D'entendre ce mot, vous y croyez encore, dites-moi. Pauvre naïf. Mais non, alors on dit souvent la démocratie, parce que vous arrêtez pas de... La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Non. Je vous arrête tout de suite. La démocratie, c'est le gouvernement... La démocratie, c'est le gouvernement. C'est tout. À la limite, le gouvernement du pape, pour le pape, à la limite, maximum. Voilà. On va voir vos... Parce que si on vous écoutait, qu'est-ce qu'on a entendu tout à l'heure ? On a entendu les enfants couchez-vous les oreilles, on a entendu des cantines bio, c'est ça que vous voulez ? Des cantines bio ? Est-ce que vous savez que le bio est dangereux ? Est-ce qu'on vous l'a dit ? Le bio, on a fait des tests, ou en tout cas on n'en a pas fait assez, et il paraîtrait que parfois ils ne mettent rien dedans. Pas d'engrais, rien, pas de pesticides, rien du tout. Vous voyez un peu le désastre économique, un peu. Et donc, méfiez-vous du bio, parents irresponsables, attention, je vous aide. D'accord ? On vous entendrait, il y aurait des transports gratuits. Gratuit, ineptie totale. Vous voudriez des logements décents et salubres, pour tous. Vous êtes fous ou quoi ? Vous voudriez l'égalité homme-femme. C'est ça que vous voulez ? Oui ! Non mais le délire total. Alors si on vous écoutait, vous vouliez l'émancipation ? Oui ! Le partage ? Oui ! La solidarité ? Oui ! La fraternité ? Oui ! Vous voudriez peut-être alors qu'on soit tous ensemble, qu'on vive bien ensemble, en bonne santé, sans concurrence ? C'est ça que vous voulez ? Oui ! Des pauvres fous ! Non ! Mais vous me faites Poitiers, tiens ! Pauvre fou, pauvre hippie, là, bisounours, utopiste. Mais vous êtes dingue. Une société comme ça, mais c'est la ruine des gros actionnaires. Est-ce que vous croyez sérieusement que c'est ça que les habitants de Poitiers veulent ? Est-ce que vous voulez vraiment que ces programmes de marron, que les Pictaviens, c'est ça ? Oui. J'ai bien dit ? Les Pictaviens. Vous vraiment, mais ils ne veulent pas ça, enfin. Vous croyez vraiment que ces gens-là veulent une société où on peut oser, où d'émancipation, anti-productiviste, anti-capitaliste. Mais vous croyez vraiment que c'est ça qu'ils veulent ? Oui, oui, oui. Là, il y a du boulot. Alors, mon Dieu, ce que je vais vous dire, c'est que, quand même, vous avez tout ici. Osons 2020, oh là. Ça déprime. Oh, et puis arrêtez avec ces affiches jaunes, là, ça me rappelle les gilets jaunes. Ça me fait mal aux yeux, arrêtez, je regarde pas. Et par là aussi, mon Dieu. Vous avez tout, je voulais vous le dire, ça c'est important, vous avez tout à Poitiers. Vous avez un maire fantastique. On vous a donné les claës du paradis. On vous a donné toutes les claës du succès. Et maintenant, vous voulez quand même, on devrait rester des losers. Mais réveillez-vous, enfin réveillez-vous. La lutte des claës, c'est fini. C'est fini. Quand on veut, on peut, hein, les enfants. Hein, le mérite. Vous connaissez le mérite ? Vous nous inculquez ça un peu ? Pauvre ! Le mérite, quand on veut, on peut. Il faut travailler. Il faut justement travailler. Comme disait Sarkozy, le travail rend libre. Il faut travailler, on mérite. Voilà, c'est important. Et on peut y arriver tous ensemble. Voilà. Ça, c'est un message fort que je voulais donner à la jeunesse macroniste. Alors, les milicians, arrêtez d'être jaloux. Parce que ça, là, on est juste dans la jalousie pure et simple d'Alain Claës, qui est un dieu vivant pour nous. Vous voulez du social, paraît-il, ici. Mais il est socialiste ! Social, socialiste, vous voyez pas le lien ? Non, on voit pas. C'est un socialiste ! Enfin, méchant Jaurès à côté de lui, c'est de la gnognotte ! C'est un dieu vivant ! Alors vous êtes... on m'a dit, hein, j'ai des oreilles quand même, les RG, notamment Jason disait tout à l'heure... Je vous disais tout à l'heure, vous seriez contre les barons de la politique, contre l'ancienne politique, contre la corruption même.
Vous seriez contre... Alors, soi-disant, le monsieur le maire aurait un train de vie, des frais de bouche assez importants, de chauffeur, etc., etc. Et alors? Et alors? Vous êtes jaloux, tout simplement. Vous êtes jaloux. Osons 2020. Oui, mais 2020, ça rime avec pot de vin. Je suis désolé. 2020, ça arrive avec retraite à point. Voilà. Ne prends même pas le mot. Tu ne sauras jamais ce que c'est. Ça sert à rien. Non, mais vous voulez quoi? Vous voulez à Poitiers, vous voulez quoi? Vous voulez peut-être des vélos. Une ville où le vélo serait prioritaire, c'est ça? Ça vous voulez? À Poitiers? Oui. Laissez-moi rire. C'est comme... Alors peut-être du ski nautique à Rennes? Du snowboard à Marseille, hein, du beach volley à Lille, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Écolo, fa, chou tous ensemble, écolo, fa, chou. Si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. Si t'aimes pas les écolos, si t'aimes pas les écolos, si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. Putain, c'est pas gagné. Vous voulez aussi, on m'a dit, parce que vous râlez. On m'a dit que vous étiez choqué par, alors qu'on vous offre des appartements et des bureaux de luxe à la place d'un vieux théâtre qui ne servait plus à rien et qu'il fallait détruire de toute façon. Non mais à quoi ça sert la culture? On vous l'a déjà dit. Les intermittents coûtent un pognon de dingue. Mais la culture, ça sert à rien. La culture, ça fait mal à la tête. Hein? Voilà. Intermittent, rentre dans ton pays. Intermittent, rentre dans ton pays. TF1 sur toutes les chaînes. TF1, aux chiottes. Madame aime bien TF1. Il y en a qu'une. Non mais c'est scandaleux. Alors vous râlez, vous savez faire que ça. Et vous râlez parce que... Alors, on parlait des publicités, regardez. Osons une ville sans pub. Je pense encore aux enfants, une fois de plus. Est-ce qu'on peut imaginer une ville sans pub? Alain Juppé disait à juste titre, une ville sans pub, à Bordeaux par exemple, mais à Poitiers aussi, une ville sans pub, c'est comme revenir à la RDA. Non, il l'a dit, et il a raison. Mais ça serait une tristesse. Alors vous voulez empêcher d'illuminer la vie et la ville et les cerveaux de vos jeunes enfants? Vous voulez qu'on les prive de 5G, de 6G, de 8G? Bientôt la 8G à Poitiers, ça je peux le... Blinky aussi, soyez fiers. C'est près d'ici qu'on a inventé ça, paraît-il. Soyez fiers de votre patrie, enfin. Vous râlez. Ah, madame a su que le grand capital était là, madame, bienvenue. Dans la mèche de... Hein? Pourtant, vous êtes bourré de couleurs. Le rouge n'est pas accepté, ici. Alors voilà, on vous vend du rêve. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, vous ne vous surendettez même pas pour l'acheter, ce rêve. Voilà, pourtant, Poitiers, c'est la capitale du futur. Hein, du futur. Alors, à Poitiers, on fonce droit dans le mur, mais même pas en marche, quoi, avec une fusée. Voilà, c'est ça le progrès. C'est le progrès faire cette façon Poitiers. Poitiers est une écume jalousie, tout simplement. J'espère qu'elle a honte, Christiane Fraisse, et tous les autres. Alors, je crois que devant tant de... Ben, vous êtes désespérant, quoi, je ne vais pas vous cacher. On va faire un exorcisme de masse. Et nous allons prendre le Notre Père tous ensemble. Vous allez répéter après moi comme de fidèles petits moutons que vous êtes. D'accord? Et pour ceux... C'est très bien. Ah, hein, il commence à bêler. C'est très bien. Et pour ceux, vous allez lever le doigt du capital. Allez-y. Allez-y. Levez le doigt du capital. Allez-y. Et vous allez répéter tous... Madame, elle est choquée. Allez, levez le doigt du capital. On est décomplexés. Hein, nous, les riches, les pauvres, on vous emmerde. On le dit. Allez, levez le doigt du capital. Les riches, on est vulgaires, on n'en a rien à foutre. Voilà. Et vous allez répéter après moi, comme de fidèles petits moutons que vous êtes. Vous avez l'habitude. Notre Père. Notre Père. Qui est mon Dieu. Qui est mon Dieu. Que ton don soit sanctionné. Que ton don soit sanctionné. Que ton règne tienne. Que ton règne tienne. Que ta volupté nous endette. Que ta volupté nous endette. Nique la terre comme le ciel. Nique la terre comme le ciel. Vends-nous cher aujourd'hui notre pain de carrefour.
Nous cher aujourd'hui notre pain de carrefour. Ordonne-nous nos dépenses. Ordonne-nous nos dépenses. Comme nous ordonnons aussi à ceux qui n'ont pas dépensé. À ceux qui n'ont pas dépensé. Soumets-nous à la tentation. Soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous du mal. Amen. Ton père, faites-le. Amen. Ton père. Hallelujah. Ouais. Hallelujah. Et maintenant, je vous applaudis comme nous parmi nous. Enfin, vous avez lâché. Tu es seul maintenant. Là, ils ont tous applaudi. Cette Ozon va faire deux voix. C'est bien quand même. C'est bien. C'est aussi. Bien. Maintenant, vous êtes tous parmi nous. Maintenant que vous êtes revenus sur le droit chemin, on va se sentir bien et on va évoquer ce qui nous fait du bien, nous tous ensemble. Je vais dire je vais vous demander une phrase, une lettre de A à Z. C'est dans vos cordes. Et on va évoquer les mots du bonheur. Les mots du bonheur, les mots qui vous font rêver. Vas-y, une lettre. Une lettre entre A et Z. O. O. Qu'est-ce qui vous fait penser à le bonheur et qui commence par O? O comme... Ozon. Ozon. Ozon être en marche. Ozon... O comme... Ça marche pas. O comme... Orange, voilà, très bien. Orange. Multinationale. Ça fait du bien. O comme... Oxygène. Oxygène. Oh là, les colos, ça suffit. On change de lettre. On change de lettre. Une lettre que... A. A. A comme... Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du bien? A comme... Action. Action. Amour. Amour. Amour de l'argent. Amour de l'argent. Argent. A comme... Argent. A comme... Allez, vous êtes des lobotomisés, vous aimez l'argent. Achat. A comme... Achat. Achat. Yeah. A comme... Action. Au champ. Action. Tu m'as excité. Ah, allez, une dernière lettre. Allez, vas-y. C'est. Qu'est-ce que tu dis? Capitalisme! Je savais qu'on allait y arriver. C'est comme. CAC 40. Consommation. Ah, les vaches, ils sont là. Allez. Croissance, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut. Il n'y a pas de bonheur. Claise aussi, ça va pas. Mettre dans la communiste dans le coma, c'est ça? C'est très bien, coma communiste, c'est très bien, ça marche. Coronavirus, mais très bien! Mais très bien, coronavirus! Qui a entendu parler du 49.3? Personne! On arrête tout, on réfléchit en marche, et c'est pas triste. Hein, vous connaissez l'an 49.3? C'est comme. Du carbitacé! Bon, allez, on va faire un exorcisme. Viens ici. CAC 40, c'est très bien. Viens ici, viens ici. Viens ici, et toi, vous ne l'applaudissez surtout pas. Mets-toi face. Vas-y, mets-toi à genoux. Nous allons t'humilier. Et donc, je vais t'exorciser grâce. Du carbitacé. J'ai des acouphènes. Je vais t'exorciser grâce aux publicités. Tu vas devoir terminer mes slogans de publicité préférés. Le public qui les connaît par cœur, évidemment, ne souffle beau. D'accord? Attention. Quand c'est trop, c'est... Tropico. C'est trop tard. Chut, c'est mieux dire que de ne pas se souffler, enfin. La délation, c'est bien. Hein? Ça fait toujours du bien, cette petite délation. Mais pas maintenant, pas quand je te le dis. Avec Carrefour, je positive. Et non, piège. J'optimise. Ouh, mets-le. Ouh. Et quand c'est trop, c'est... Mais tout le monde sait ça, tout le monde sait ça, Tropico. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? On l'exorcise tous ensemble. Travail, obéis, consomme, travail, obéis, consomme, travail, obéis, consomme, décroissance, sort de ce corps, décroissance, sort de ce corps, décroissance, sort de ce corps, L'Oréal parce que
que je le vends. Bien. Allez là, Charles. Il est venu parmi nous. Allez là, Charles. Ça fait du bien, ça fait du bien. Il est revenu parmi nous. Et maintenant, il va pouvoir manger non plus des cubes jurbitacés, mais des... ou alors des macarons.